Yop, 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 Benelou, c'est Tonton Tomix sur Doom Eternal. Et on continue notre petite campagne, toujours sur Xbox One. Impossible de localiser le second prêtre de l'enfer. Il manque un composant à votre localisateur céleste. Il faudra le remplacer. Terminez la refonte de votre équipement. Le cracheur ardent attend votre validation. Le cracheur ardent. Wow, 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 wow. Qu'est-ce que c'est que ce bestiau? Ok, petit tuto. Des éclats d'armure. Il se recharge avec le temps. Ok, puis ça va vite, hein. Obtenir un cristal sentinelle, ok. Je pense que ça, c'est mon vaisseau quand même. Enfin, c'est mon arche. On se balade un petit peu, je me suis pas baladé. Voilà. Ça a l'air d'être assez gros quand même, l'endroit. J'en pas lésiner sur les moyens, les gars. Ok! L'écran de sélection des cristaux sentinelles. Utilisez un cristal sentinelle pour améliorer de façon permanente vos capacités de santé, d'armure ou de munitions. Oui. Alors, vous pouvez sélectionner une amélioration pour augmenter vos capacités. Lorsque vous choisissez une amélioration, cette section vous montre vos capacités actuelles de santé, d'armure et de munitions. Quelle amélioration sélectionnée aura sur cette catégorie? Alors, il faut débloquer deux améliorations liées entre elles. Une amélioration bonus. On peut y aller là? Ouais, c'est bon. Alors par contre, je peux en débloquer que un. Excusez-moi. D'accord, ok, je viens de comprendre. Les démons massifs et super massifs restent enflammés plus longtemps. Mais on est que sur le crasher en fait. Ok. Les démons lâchent des éclats d'armure plus souvent. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Tant que votre armure est au maximum, les bonus d'armure vont à la frappe sanglante. Tant que votre santé est au maximum, les bonus de santé vont à la frappe sanglante. Les butins sont attirés de bien plus loin. Je trouve que le crachat ardent qui se recharge plus vite, c'est pas mal. Hein. Parce que sinon, ça reste sur les gros, quoi. Ah, c'est dur. Le truc, c'est que surtout les munitions, ça m'intéresse, quoi. Munitions et santé. Bon, écoute, hein.
s'applique immédiatement, ok. Ok. Le portail est activé et n'attend plus que vous. J'essaye de me souvenir d'où est-ce que j'ai déjà entendu cette voix. Je la connais à mort. Et c'est parti! Voilà, j'ai des vibrations. J'avais oublié que c'était la manette Xbox. Hein. C'est vrai que j'ai hâte de toucher à la manette haptique. Wow. Si vous restez immobile trop longtemps, vous mourrez, sans déconner, j'avais pas remarqué. Nage rapide. Okidoki. Le décor encore. Franchement, à chaque fois, c'est une tuerie. Je bave. Est-ce qu'on a un bout de carte? Vite fait. Ça nous indique qu'il y a de l'armure directe juste en dessous si on se laisse tomber hier. Faut être couillu quand même, on y a. On fait une vie carrément. Ok, bah je pense que va falloir s'accrocher là-bas. À chaque fois c'est flippant de sauter au loin. Oh la vache, il y avait rien de trop, oui. Il y avait rien de trop. Putain. C'est des chiux. Je vous déteste. Non, je me suis pouffé. Je me suis planté de touche, quel con. Surtout que c'est tout simple à faire, hein, mais je sais pas, c'est flippant. Ce serait là qu'il faudrait que j'aille. Aller plus haut de toute façon. Je pense que c'est là, il n'y a que là. Ouais, ça passe, tout se bien. Ok. Ça, je m'y attendais pas trop. Bestiaux. Oui, toi. Merde. Bon, j'ai eu plusieurs fois comme ça, hein. J'aime pas quand ils font ça. C'est pas grave. Je retourne à 50 direct. 90, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. PK 60 tout à l'heure. Il y a rien en bas. Voilà, je suis Miro. Comme ça, c'est un intrus, ça. Ok. Choper, Exulcia, traduction. Attends. Oh, il y en a à lire. La vérité d'un homme, ça me fait tromper. Les prêtres ont rejoint le nord avec moi, sous couvert de s'allier à notre combat contre le Khan Mike et ses méthodes proscupuleuses. Revient leurs langues argentées, ils nous ont proposé un plan et semé la graine du désir d'un triomphe précipité. Ils disaient connaître la source du pouvoir des Mikes,
dans le royaume infernal, une vaste fonderie d'âmes. Tu vas pas me le faire trop souvent. Je sais qu'il faut qu'elle se décharge un petit peu quand elle est trop chargée et déconne un peu. Et ils nous ont dit que la destruction de la fonderie assurait notre victoire. Étaient les agneaux crédules nous étions que j'étais. D'accord, que nous étions, j'avais pas vu la virgule. Que j'étais, j'ai cru leur mensonge. On envoyait le Doomslayer, les sentinelles nocturnes détruisent la fonderie, les prêtres ouvrirent un portail d'évacuation lorsque le dernier vétéran pénétra l'empire démoniaque, notre dernier espoir de recouvrir notre empire. Les digres fermaient leur portail, l'armée était piégée, perdue dans le vide éternel par la traîtrise de ses pleutres. Comment n'ai-je pas compris leur intention et j'étais aveuglé par la perte de Taras Nabab. Les miens, nous avons de nouveau fui, protégés par une légion incomplète de sentinelles nocturnes. Les dégâts ont disparu. Ils sont retournés près de leur maîtresse. Que les spectres me pardonnent cette faiblesse. Afficher l'image et une image. Ah oui, d'accord. Classe. Très classe. Alors, petit coup de 4, petit coup de carte. Salut les mecs, c'est nouveau ça. Yes, boom. Oups là. Ça fait du bien ça. Allez, bouffe. Hop. C'est la même. Il vient vers moi là. Chevalier de l'enfer. Il a pas fait mon feu de machin. Parfait. Alors faut pas que j'oublie les flammes aussi hein. Les flammes doudounes. Tiens, tiens, tiens. Salut toi. Salut. Carte. On se détend. Ok. J'admire un peu. Il y a de quoi baver. Ça sent la grosse baston là. On va rester concentré. J'ai une file trop de munitions, c'est luche, c'est très luche. Frappe sanglante. Qu'est-ce que ça va encore être ça? Les Glory Kills remplissent la jauge de frappe sanglante. Yes. Oh, excellent. D'accord, deux coups à la suite, ça les stun et puis bam. Ça c'était chargé, d'accord, d'accord, d'accord. Des petits pièges. Tiens donc, voyez où cela.
Est-ce qu'ils se les prennent s'ils me voient? Et... Non, ça a l'air d'être que pour moi. Par contre, je pensais que ça allait stunner plus vite. C'est dommage. Merde, je pensais que ça me téléporterait un direct sur coup. Elles sont chiantes, mais ça, elles sont pas trop costauds, donc ça passe bien. C'est vrai que des fois, je m'emmerde bien. Hop là! Ça se recharge. Et une, ouais. Oh le délire, il y a ça en plus. Incroyable. Une glory kill plus rapide. C'est intéressant ça. Initier une glory kill de... Ah, c'est encore mieux. De beaucoup plus loin. Mais oui, ça c'est bon ça. Obtenez un bonus de vitesse après avoir effectué une glory kill. Ok. Augmente la maîtrise de vos mouvements dans les airs. Ah, j'avais bien aimé ça aussi. Augmente la durée d'étourdissement des ennemis. Bref. Si vous survivez à un coup mortel, le temps se ralentira brièvement, vous donnant ainsi une chance de récupérer. C'est excellent ça aussi. Cette rune se recharge à votre mort. Maintenez LT dans les airs pour ralentir le temps. Pouf, pouf, pouf. Tuez des ennemis avec votre équipement. En profitant des effets de votre équipement, réduit votre temps de recharge. D'accord. Les ennemis tués par nombre de chocs de la frappe sanglante libèrent de la santé. D'accord. Le truc de beaucoup plus loin, ça m'intéresse. Hein. Pardon, frappe, appuyer, bim. Gage boom. C'est ici que vous pouvez consulter et équiper les runes que vous avez achetées. Runes sélectionnées désormais active. Trouver plus de runes débloquera d'autres emplacements de runes. Échangez vos runes pour mieux correspondre au style de jeu. D'accord. On n'a que 3 emplacements, mais on en a 9 qui seront sélectionnables. C'est parfait. Ok. Je vais par là. Il y a un escalier déjà. Je tire d'en bas. D'accord. C'est pas un passage. Il y a une planquée dans le coin. Carte. Tiens, tiens, tiens. Ben voyons. Alors comment j'y vais là-dessus? Passage en hauteur. Truc à faire péter. Bah tiens. Un truc à faire péter. Mignon, il est mimi. Bon, je pense que c'était tout. Hein. Ok, ok.
crois qu'il va falloir qu'on se laisse tomber, ma couille. Allez, c'est parti. C'est le bordel, ça tire de partout. Je sais pas trop ce qui se passe. Merde! Putain, c'est vraiment du colosse! Je me recharge un tantinet, hein. Ok. Alors, par contre, quand on est autour, ça va, ça le fait, hein. Ce qu'il fallait surtout pas, c'était rester au milieu, ça aurait été un délire. Avec toutes les bombes là. Wow. Attends, mais la sortie est là. Alors faut que je pense à cramer les mecs aussi pour avoir un peu de bouclier. Wow, on a du lourd là-bas. J'aimerais bien pouvoir le cibler. Ça va me faire chier les deux cons là. Voilà. Ça c'est super cool. Parce que j'étais vraiment loin de lui. Carte. C'est bon pour ici, ok, c'est bon pour ici. Mais ça marche charge en plus full. Je viens de te voir, pas. Non, on va rester avec lui. Non, change. Ah putain. L'autre gros con là. Merde. Ok, on se détend, parce que là je sais plus du tout où je suis, ce que je dois faire. J'ai toujours pas baisé. Voilà. Déjà être beaucoup moins chiant. Ouh. Mais quand même, il est toujours là. Quand je suis de loin comme ça et puis qu'on arrive à se téléporter, c'est juste un kiff.
Un point d'armes. Allez, ça continue le délire. Terminez toutes les confrontations d'une mission pour gagner des points d'armes. Suivez votre progression avec la jauge de corruption des démoniaques. Chaque mission comporte 10 points d'armes au total. Dépensez vos points d'armes dans l'onglet Arsenal du dossier, d'accord. Punaise. Alors, amélioration, récupération rapide, transformation accélérée à toute vitesse. Ouais. Compartiment rapide et gros boom. Ah ouais. Et sinon, avec lui aussi, une lunette de précision. Mobilité et rechargement rapide. Ouais. Ouais, ça c'est toujours pas débloqué, donc on va chercher. Et la maîtrise, c'est le tir à la tête explosif. C'est top, hein. Le club des 5, je me demande bien ce que c'est. Je suis très curieux. Mais... Ils ont que ça en plus. Ce qui est cool, c'est que ça va vraiment tirer super rapide. Par contre, j'ai pas énormément de munitions pour l'instant. Donc, on va peut-être se le garder pour plus tard. Les bombes collantes, le gros boom. Ah, mais j'utilise pas assez souvent aussi. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Ha. Bon, allez. Ah ouais, d'accord. Ok. Excusez-moi, il y a encore un sous-truc. Et j'ai combien de points, là? Je les vois pas. Où est-ce qu'ils sont planqués? Ouais, je veux bien, mais les points d'armes dispo, ils sont passés où? Je les vois pas, hein. Je suis miro ou quoi? Ah non, d'accord, d'accord, je les vois, ils sont tout en haut, j'en ai 6. Donc je pourrais me prendre le gros boom si j'ai envie. Augmentation du rayon d'explosion des bombes collantes. C'est vrai que c'est badass quand même, ça. Allez, faut bien se décider un jour, hein. Bon, j'avais 6 points, allez. Ok. Ça va faire mal. Ah, ça me dit que j'étais pas à fond sur cette arme-là. Est-ce qu'il reste des munitions quelque part encore? J'ai pas l'impression. C'est dommage. Du coup, on va prendre l'autre. Si c'est cool, vous êtes gentil. Je vous aime bien. Alors on a un bouquin de l'autre côté. Comment je fais pour l'avoir lui? Punaise. Par contre, il y a un module là pour m'améliorer encore. Attends, attends, je me paume là. C'est juste là. Je fais quoi, mon... C'est quoi ce bordel? Un truc à actionner quelque part. Faudra peut-être revenir, je sais pas. Parce que là, ça sent un peu qu'il bleu de partout.
je vois pas, donc on va essayer d'avancer, puis on reviendra après. Tuer les démons lorsqu'ils brillent pour obtenir plus d'armure. Ouais. Je suis comment? Je vais peut-être aller un peu vite. Non, c'était bien ça. Mais j'étais mal orienté. Alors oui, ça c'est la fin de l'objectif, mais... ce que je veux, ça se trouve de l'autre côté. Déjà, je peux aller prendre le bouquin. C'est le lu. Donc le bouquin, je suis très content. Mais c'est surtout le truc là-haut, là, pile là. C'est ça qui m'interpelle le plus. J'ai aucun moyen, enfin, je redescends encore. Bon, ça serait suicidaire. Bon, bah, on va aller en face, tant pis. Strange là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça j'y ai où? On sait pas. Surprise, motherfucker. Alors déjà, sympa. Je vois des trucs là-bas, mais... mais j'ai rien que pour m'accrocher. Il m'a fait un petit quelque chose. Bon. À mon avis, il faut pas toucher, hein. J'ai bien raté mon saut. Pas par là. Ah, maintenant, faut sauter sur le... Sérieux? Oh. Je me suis fait peur tout seul. Et ouf, c'est qu'on ressent comme une certaine inertie. Quand vous êtes embarqué par les par le rotor là. Alors on a un truc en bas. Bon. Let's go. Qu'est-ce que c'est ça encore? Ruée. Appuyez sur B pour aller plus vite lorsque vous vous déplacez ou combattez. Sur
sur un mur criblé de trous pour vous y agripper instantanément. Vous pouvez effectuer deux ruées à la suite avant d'avoir besoin de la recharger. Wow. Lol. Stop. Je sens quoi, de toute façon, va falloir s'accrocher à ça. Ok, attention. Je savais que ça serait tranquille, mais... on ne sait jamais. Ah mais attends, du coup, ouais, je peux y aller maintenant. Attends. J'ai une vie en face. Intéressant. Je vais le faire. Tant pis, je reviendrai. Ah mais j'ai bien foiré mon coup là en fait. Quel con. Comment je fais pour l'avoir? On dirait qu'elle est sur le truc quoi. Bizarre autant qu'étrange. Du coup, je suis bien embêté. J'aurais dû sauter de là-haut. Hein, pour aller plus loin. Je sais pas si c'est faisable quand même. Est-ce que du coup, je peux vraiment pas? Je peux le faire comme ça. Ouais, carrément. Tant pis. Deux trucs que j'ai pas trouvé là. Dans le petit container, et ça, c'est ce qui m'emmerde le plus. Plus belge, plus belge. Ne touche pas ça. Et si que je le fais quand même. C'est déjà fait, je crois. Vous n'êtes qu'un homme. Et ce n'est plus à vous qu'il appartient de les sauver. Vraiment, je crois que je vais en faire qu'à ma tête sur ce coup-là. Ouais, ça va revenir. Enfin, c'est quand tu veux. Oh putain. Non, mais ça va aller. C'est bon? Non. Oh, oh, c'est la merde. Mini pause, on va voir si ça se règle de lui-même. Non, c'est bon. Tu t'arrêtes là? Incroyable. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment très chiant. Alors, j'ai un bouquin à ma droite.
Ah, du coup, je peux revenir. J'ai même pas trop de choix. Le roi Nook. C'est ça? Nook. Ah, c'est Nook. Le roi Nook a régné sur Sentinel Prime de nombreuses années en tant que guerrier patriarche. Pardon, du coup j'ai perdu le truc. Et protecteur ordonné des mondes sentinelles souverains. Le peuple sentinelle d'héritage guerrier ne considère digne de régner que les membres de la caste des guerriers. Et en temps de guerre, on attend que le roi mène ses hommes depuis le champ de bataille et non depuis la sécurité de son trône. Comme le veut la loi sentinelle, un roi incapable de combattre est un roi incapable de régner. Ça c'est bien dit. Pendant des millénaires, le peuple sentinelle a protégé sa civilisation des menaces d'invasion de bêtes comme d'humains, en transmettant le manteau guerrier à chaque génération et en affinant l'art du combat jusqu'à la maîtrise ultime. Même en période de paix, les sentinelles nocturnes restent vigilantes, développent de nouvelles technologies de conquête, toutes plus à même d'asseoir leur domination sur les mondes souverains. Ah là là, je me fais la vue. Ah non, mais c'est mon viseur, je croyais qu'il y avait un bestiau. Donc du coup, ouais, non. Je suis sur le bon chemin. Ouais. Du coup, je vais tout droit. J'ai une baston et après j'ai la sortie. Ça emmerde les deux trucs là. Bon, c'est qu'un quimbo, mais... Où est-ce qu'il était le machin d'ailleurs là? Faire tourner, zoomer. Bah. Il est passé où le container? À choper. Il est plus là, il est plus nulle part. Ah, bon, tant pis. Qu'est-ce qu'il s'est mis en branle comme ça? La classe. Je vais en face. Ok. Bim bim. C'était pas dans le coin qui était là d'ailleurs? Non. Là, il y a du bestiau. Ok. Oula, faut pas toucher le sol en fait là. Boum. Well. Peut-être même le faire d'ici. Putain, il m'a buté mais méchamment. On va essayer de se reconcentrer. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai! J'ai rien le temps de faire! Oh, puis j'arrive même pas à choper d'énergie, c'est la merde! Faire le tour comme ça, ce sera peut-être plus prudent, puis je pourrais peut-être trouver des trucs. J'ai pas compris, donc contre lui ça marche pas. Putain!
Et qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? Allez, c'est bordélique là. Ça va pas, ça va pas. Je sais même plus quelle arme utiliser. Là, je suis en déperdition totale. Putain! Sa mère! Oui, c'est bon. Indio. Ah, je suis fait de partout là. Il semblait bien qu'il restait des munitions quelque part. Mais bon. J'ai pas compris la tronçonneuse et tout. Je me suis embrouillé les pinceaux. C'était l'horreur, c'était l'horreur. Du coup, l'objectif il est à ma droite. Ah, si, ça s'est ouvert, c'était ça que je voulais. Cette batterie sentinelle peut fournir plus de puissance à votre vaisseau. Plusieurs modules sont inutilisés. Mais trouver plus de batteries vous permettra de rétablir les fonctions de votre station de commandement. Wow. D'accord. Cool. C'est quoi ce truc? Fusil à plasma. Oh yes. Babe. Revenant est un démon aérien massif. Spécialisé dans les attaques. De moyenne portée. Ses canons d'épaule constituent son point faible. Détruisez-les pour l'empêcher d'utiliser ses attaques à distance et de limiter au combat au corps à corps. Ok. Merdouille. Attends, il y a du bordel là. Voilà, ça fait du bien ça. Ouh putain de merde. Fusil. Ok, ça fait du bien. Putain. Oh, j'avais de l'énergie juste devant moi. J'aurais dû dasher. Bon, je suis pas très fier de mon gameplay là, j'avoue. Se concentrer un petit peu plus que ça. Attends, on va se reprendre le snipe. Il se
bute pas vite, hein. Personne là qui veut bouger. Tu as un bon spot là, c'est dommage. Bon. Merde. Putain. Pas abusé sur la distance non plus quand même. Ok, je suis toujours à 100, tout va bien. C'est quoi? Ah ouais, d'accord, je me téléporte. Le téléporte, j'y pensais plus. Je pense qu'il devrait arriver par là. Oui, je t'avais pas vu toi. Ok. Secret Titi encore. Ah. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on y accède à ce truc là encore? En dessous et on remonte. Là, on dirait bien. C'est par là. Ça m'a surpris. Je suis avec, avec les autres armes. On va se prendre un peu de plasma. On va y en avoir une autre. Hein. C'est très rapide. Troisième.
Ah, je suis collé, je peux pas sortir de là. Enculé. Comment je peux faire? Ouais, je peux pas sauter. Hein. Je suis scotché. Le plan, ça peut le faire. Putain, il y a un audio. Faut s'accrocher au centre, mais comment? Pas du tout, mais alors pas du tout grimper. Continue par là. Ah, on s'en sort. Très bien. Ok, parfait. Le bruit que je fais, franchement, je fais. C'est pas dans la finesse, Doom, c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on aime. Il y a un noyau d'alimentation tout proche. Utilisez-le pour activer. Vraiment tout proche. Hein. Alors. Le club des 5, attends. Si je continue dans le délire. Ah ouais, non, mais non, c'est pas ça alors. D'accord. C'est pour débloquer. J'avoue que. Les micro-missiles, c'est juste énorme aussi. On se le tente. Parce que sinon le dernier, qu'est-ce qu'on avait à débloquer? L'utilisation du fusil à plasma génère un excès de chaleur qui libère une vague destructrice en appuyant sur LT. Ok, ça a l'air badass. Le rayon micro-ondes, maintenez LT pour verrouiller votre cible, puis déchaînez un rayon d'énergie plasma concentré qui immobilisera votre ennemi et le fera exploser à sa mort. Il n'y a que des trucs badass, c'est chaud de se décider. J'avoue que le rayon micro-ondes, bon. Parce que contre les gros, ça peut être énorme, quoi. Allez, on tente. Méga, et dégagez le passage. Il y a une vie à choper quand même là, hein. c'est pas rien. Je suis obligé de refaire tout le tour par contre. Personne.
Ok, merci. Ça me rappelle quelque chose, ça. C'était pas déjà dans un autre Doom? Ici, ouais. Normalement, quand c'est grisé, c'est bon, on l'a trouvé, non? Je sais plus, j'ai un doute. Non, je crois pas. Bon, justement, faut que ça soit coloré. Ça se fait que j'ai pas pu le trouver, ça. C'est bizarre. Deux secondes. Je suis tout à fond. Voilà. Excusez-moi, je me paume. Non, c'est raté. Mais je vois pas le passage là. Pas toujours évident de se diriger avec la carte. Il faut choper le coup surtout. C'est quand même bien foutu, hein, je vais pas cracher dessus. C'est une blague, faut retourner tout en bas? Attends. Non. Mais j'en viens en fait cet endroit-là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, c'est énervant. Qu'est-ce que je peux foutre pour y accéder à ce truc? C'est ouf, hein? Ça me rend dingue, ça encore. Les passages comme ça, vas-y. Recoup de carte. Un passage ici. C'est ça qu'il faut pousser, putain. Je le pousse comment aussi?
Comme ça. Doomsgate, ah, classe. Ça a le coup, s'acharner un peu. Ouais, well, du coup, le passage. Je dirais pas que c'est par un. Hein. Bon, c'est juste derrière moi, justement. C'est à l'opposite, hein. Mais pour y accéder... Ah, c'était là avec la mimide, autant pour moi. D'accord. Allez, encore un peu de plateforme. On se concentre. Donc là, logiquement, on peut s'accrocher. C'est ça que tu veux me dire? Il y a du monde. Une grosse porte. Il faut aller à la grosse porte. C'est bon? Oh, t'es sérieux? Attends. Ça me fait un peu peur ce que tu me demandes de faire là, je crois. Faut vraiment que je fasse ça? Ok, j'ai compris, mais j'ai mal fait. C'est chaud. Malade. Mais c'est un kiff. Alors, détruiser ces canons d'épaule pour empêcher de tirer des roquettes. Ah, ok. Donc, non, il me faut le snipe. Sur qui je vais tirer là? Je l'entends, mais je le vois pas. Merci. C'est que dès qu'il m'a repéré, après ça va être le bordel.
Rebouche, s'il te plaît. Je sais que je peux t'avoir d'ici, alors rebouge. Ah! J'aurais dû tirer tout de suite, c'est rebouge. Il se balade de plateforme en plateforme, hein, c'est chaud. Mon attaque, je l'ai vu. Elle balance pas mal d'un coup en plus. Voilà, ça c'est fait. Putain, je l'ai eu quand même. Incroyable. Alors je sais qu'il y avait l'autre gros aussi, qui est quelque part. Il est là. Ouais, par contre ça dépense tout contre les gros, c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais, on reste mobile. Toujours. Et putain. Il me fait chier celui-là, il me fait chier, il va falloir que je m'en débarrasse. Je sais pas du tout où j'ai, en fait j'essaye d'analyser un peu le terrain. Et du coup je fais des conneries. Bon putain hier. Putain, mais il saute à droite, à gauche, je sais jamais dans quel sens il va aller. Allez! Ah! Ouais, on est re-bien. J'ai pas vu qu'il y a un gros encore là-haut aussi. Scrouche la tête. Plus de 17 balles, faut pas jeter comme ça. Santé basse, tu m'étonnes.
faire un truc. Putain, le petit, je voudrais l'avoir, mais il me fait chier. Voilà. Alors, maintenant, on va reparler un petit peu. Tuer au fils de pute. Putain, ça a raté. C'est le gros qui vient en problème, ça fait chier. Ouais, on rebouge. Ouch. Merci. Pute. Mais c'est qu'il y en a encore un autre bordel de merde. C'est chaud, hein. C'est vraiment très très chaud. Bon, ça passe, j'y crois même pas. Allez, un point d'armaïki. Boum. Watch out. J'ai cru que j'allais aller trop loin. Du coup, maintenant que tout le monde s'est barré, j'ai tout pris. J'ai l'impression, parce que franchement, je me suis baladé là sur ce coup-là. Et je suis pas tombé une fois, hein. Je suis assez content de moi là-dessus, c'est cool. Attends, quand même un petit coup de carte, hein, comme d'hab. J'ai plus de bullets. Non mais c'était sûr. La grenade, c'est vrai, j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé à la grenade.
C'est minable tout ça. Je perds un petit peu de munitions. Il faudrait que je grimpe là-haut. Ouais. Ok. Attends, parce que moi j'avais eu d'autres trucs là. Un délire par là. Recharge de récupérer une recharge brûlée pour recharger entièrement votre compétence. D'accord, pour franchir des grands gouffres. Ça va être rigolo ça aussi encore. Pas trop le choix. Bon, ça se fait tranquille. Ça va. C'est là-bas. Oh là là. Chaque fois, vous avez l'impression que ça va être trop court, mais en fait, c'est juste hallucinant ce qu'on arrive à faire. Ok. Nah. Vraiment rien à choper dans le coin. Oh, on continue, de toute façon, c'est par ici qu'il faut que j'aille. Hein. On est bien. Ben voilà, un peu d'armure. Et là-dessus. Pas fait chier la première partie de soirée, mais alors là ça n'arrête point. Et je ne sais toujours pas pourquoi elle me fait ça. Imagine, elle me fait ça en plein saut, c'est juste l'horreur. Au secours quoi. Alors en effet, là, il va peut-être falloir que je saute. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je fasse ça de manière safe quand même. Parce que je vois bien tous les bouts d'armure qui est là-bas, mais. C'est quoi ce truc rouge, attends? Afficher les jambes. Ouais, c'est une confrontation de combat. Ou alors, confrontation à secrète. D'accord. Pour une confrontation secrète. Ok, tout s'explique. Il y avait longtemps. Facultative et chronométrée, les ressources utilisées dans une confrontation ne sont pas restaurées. D'accord. Ça
C'était tout simplement ça, fallait tout faire péter. Ok, ça me plaît. Ça me plaît bien. C'était pas compliqué, c'était tout ce que j'aime. Il faudrait que je remonte là. Comment je remonte? Ça a plutôt l'air d'être derrière moi. Hein. Pour remonter, moi, bordel. Faut que je refasse tout le tour. Il faudrait que je regrimpe par là. Oh non, il doit y avoir un truc plus court, quand même. Ah, attends. Voilà, ça va. Normalement, je devrais pouvoir grimper là, je pense. Me stresse. Hein. Un bon coup de gros rayon dans ta face et bim. Je peux marcher là-dessus. Ouais, le délire. Ça c'est impossible à éviter, c'est incroyable. Qu'est-ce que je fais? Ça a l'air d'être marrant tout ça. Oh putain, je suis pas dessus. D'où est-ce qu'il va arriver? D'où est-ce qu'il va arriver? Parce que, il va arriver. Allez, viens, viens, viens. Ça va juste te tuer. Ok. Alors, piège, on analyse un peu le terrain, bon. D'accord, je suis collé au sol. Trop rapide à mon goût, toi. Passer dans mon dos. Ridicule ou ça. Il
Dans le vide, ça marche bien aussi, hein, finalement. Faut que j'aille en face, je suppose. Moins que. C'est par là que ça se passe. Je peux pas grimper là? Ah si. Mais je suis à fond, je suis con. Ah, c'est chaud quand on est cloué au sol là comme ça, mais quelle idée vous avez eu, vous êtes malade. Je vous déteste pour ça. Je suis allé un peu vite là, je trouve. Ça va. Ok. Tiens, 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 un truc à pousser. Et pour faire quoi, monsieur dame? Pourquoi faire? D'accord, c'est pour aller là. Encore une petite cellule d'énergie. On se recharge en armure. On va même être à bleu qu'après ça. J'ai été un petit peu court. Bon, on va se dire que ça passe. Pourquoi il a pas parti? Pourquoi il l'a pas lancé tout de suite? J'ai pas compris. Enfoiré. Ça le fait bien. Pourquoi t'as pas voulu? Heureusement qu'on est rapide, mais bon, c'est pas la question. Ça fait pas plaisir. Non, ça m'étonnerait qu'on puisse aller là. Oh, je pense que c'est faisable, c'est juste que j'ai pas compris. Putain de foi. Franchement, en réalité virtuelle, la plateforme en VR, c'est assez cool, quoi. Parce que vous savez mieux apprécier les distances. Quand c'est sur écran plat comme ça, c'est pas la même. Bon. On se concentre, s'il te plaît. Alors, un chemin, ça passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, pas grand-chose. Ah.
des plateformes qui se cassent la gueule. Ça va être marrant. Ça dégage. C'est ce petit machin là, c'est vraiment une saleté. Ouais, bon, de toute façon, je crois pas qu'il y ait grand chose. En effet, il n'y a rien. Je suis blindé en vérité. Je peux rien faire. Bizarre autant qu'étrange. D'où bien sûr. Moi j'ai pas le choix, faut que je descende. Continuer à descendre, hein. Ça me fait bizarre. Ouais, ça s'est bien cassé la gueule et ça remonte. D'accord. Une belle saleté, ça aussi. Ce serait ça qu'il faut que je fasse. Putain, non, ça marche pas comme ça. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Surtout qu'après, il faut que je tourne sur ma gauche. Oh, la plateforme de ouf. Et ça va être compliqué. Ah, mais j'ai crevé là en plus. Je suis dégoûté. Ah ouais, je me suis accroché dessus. Pourquoi tout à l'heure j'ai pas réussi? Tenez un rang. Frustrant. Eh, c'était propre ou pas ça? Vous pouvez le dire, hein? C'était très propre. Youhou, d'accord, rigolo. Putain de merde. Je suis dégoûté. Les enculés. Putain, mais je peux rien faire. Une bloque de partout. Oh, enculé. Où est-ce qu'ils vont me remettre? J'ai rien pu faire! Je remontais, ils étaient juste au-dessus de ma tête! C'est dégueulasse! Ah, puis alors, quand ils vous touchent, ils vous bazardent, quoi! Ils m'ont expulsé de la plateforme! Oh, je suis là! Non, faut que je refasse tout ça! Putain de merde! Et puis il y a l'autre saleté là-bas, hein, qui est revenu, bien sûr. Salut toi. Enculé. Je suis pas dessus, en plus. Et sérieusement? Eh ben putain!
Il est mort ou pas? Ouais. Ouais. Ça n'est pas hein, ça aussi. Attends, parce que. On va faire un peu de chaud, j'ai pas envie de trop dépenser. Je suis même pas sûr. Arrêtons notre délire. Passer même au fusil à pompe parce que je crois que après c'est eux. Ok, ça a dégagé les deux directs, c'est parce que ça devait être chargé. Bon. Je suis juste dégoûté, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait de la merde. Heureusement j'avais mon bouclier, bon j'en ai eu un au moins. Je suis parti du mauvais côté. Sérieux, l'autre, il est où? Ah, on va se prendre la tête pour si peu, hein. Ouch! La petite tête. C'est quoi qui est joué? Je le vois pas, il y a un saut. Qui est caché les coquins. Ça fait du beaucoup de bruit. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Attends, carte, carte. Qu'est-ce que c'est que ce truc là-haut? Ping. Ça c'est quoi ça? J'ai chopé moi ou pas? Non, même pas. Ok, on reste zen. Putain. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut l'avoir. Bizarrement, j'ai l'impression que si. Il faut vraiment que je regarde au-dessus de l'objet quand c'est comme ça. J'ai l'impression que ça passe mieux, mais bon. Ah, mais attends, ça c'est pour augmenter notre possibilité d'aller loin, je crois. Ah oui, c'était ça tout simplement, c'est pas un truc à choper. Je ne crois point. Et donc derrière moi, nous avons quelque chose. Alors, clé du Slayer. La clé du Slayer débloque une porte du Slayer à proximité. Terminez toutes les portes du Slayer pour débloquer l'accès à l'une.
dans la forteresse de la destruction. Quoi, pour, d'accord. Donc la porte du Slayer, où est-ce qu'elle pourrait être la porte du Slayer? Ça serait indiqué sur la carte ou pas? Ah si, ce serait ça la porte du Slayer. Ah bah logiquement, ouais, ça serait bien ça. Hein. Les peurs du Slayer. Les peurs du Slayer sont des confrontations intenses. D'accord. 3 points d'armes. Et une clé en pyrène. Bon, bah, je pense que ça doit avoir le coup. C'est pas de la petite clé en fait. Le truc. Le truc. Bon, voyons voir un petit peu où est-ce qu'on en est de nos armes. On pourrait un peu utiliser ça. Ça dépend ce qu'il nous balance dans la gueule. On est téléporté quelque part? Ah ouais, carrément. Je sens que ça va être rigolo. Ok. Très gros, je me disais aussi, il y en a que du petit depuis tout à l'heure, c'est bizarre. Ah, merci, ça reparti comme en 40. Putain de merde, il va trop vite. Fait chier. Il y en a deux, 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 il y en a deux. C'est le bordel.
Ok. Parce que je vous ai planqué dans mon enfoiré. J'aime bien où est-ce que vous êtes planté. Un peu partout. Enfin, pour l'instant, je gère, je sais pas comment. C'est un truc de ouf. Oh putain. J'ai merdé. Moitié Keblo là, je savais plus quoi faire. Si au moins je pouvais me buter le gros. Putain, mais lui il me fait chier, il était juste devant moi, comment j'ai fait pour le rater? Mon dieu, on en est où là? On en est où? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il en reste? Le connard encore. Je l'ai eu. Non. Putain, j'y crois pas, je vais pas me faire buter par des petits mecs. Oh, que je viens d'avoir le gros. Ah non. J'en peux plus. Ah, ils avaient dit que c'était intense, hein. Où est-ce qu'ils sont, cette bande de cul là? Je me tâte. Et il va plus rester grand monde, hein. Oui. Oh, le
truc. Alors, une clé empyrène. Faut avoir toutes les clés empyrènes pour activer l'appareil Maynard dans la forteresse de la destruction qui débloque. Ça doit être une arme spéciale, je pense. Ce qui pourrait être sacré, mon cool. Et B. Tu parles d'un niveau, toi? Je suis à donf, ça c'est la bonne nouvelle. La meilleure nouvelle que ce serait de savoir où je vais. En face de moi, où ça? Ça remonte par là, parfait. Oh, c'est charmant, c'est charmant. Non, 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 non. Ça, ils auraient dû faire en sorte qu'on s'accroche aussi automatiquement rien qu'avec le double saut. C'est un peu malheureux ça. Donc avec le rond qu'on s'accroche. C'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Des fois c'est injuste. Oh, heureusement qu'il y a le double. Heureusement qu'il y a le double. Putain. On a une vie ici, mais c'est une blague. Hein. Parce que là, si je me prends un coup de jus, c'est la mort, quoi. Quelle bande de coquins. Parce que là, si je passe par la droite. Donc il faudrait que je fasse le tour et puis que je revienne. Parce que attends, je suis arrivé de là en fait. En vérité, je vous le dis. Bah ouais, j'ai juste fait le tour. C'est nul. Oh la vie, mais la vie, quel dommage quoi. Franchement, je le vois pas le machin. C'était tenté quand même. Incroyable. Incroyable. Bon, même si on se la refait, c'est pas bien grave. Le signal vital du traître est proche. Ok.
Les lieux sont maillés de capteurs de mouvement et d'artillerie. Wow. Wache. Je vous ai dit de me laisser ici. C'est là qu'est ma place. Sauver vos congénères ne vous apportera pas la paix, mais alourdira juste votre fardeau, croyez-moi. Alors vous cherchez à défier la Canmaker elle-même. C'est au tour de vos congénères de se repentir. Comme j'ai dû le faire moi aussi. Écoutez-moi, Slayer. Quand son cœur ne battra plus, alors son âme trouvera le repos. Tout comme la mienne. Un petit cadeau, c'est gentil, merci monsieur. Atteindre le portail de sortie, je vois bien. Ah ouais, c'est à cause de toi que tout a merdé. Je sais pas comment j'ai réussi. Le point d'extraction est identifié. Wow. Je l'affiche sur votre ATH. La plateforme qui tue, là. Regarde-moi ça. Attends. Il y a des trucs dans le coin. Faut que j'aille là-bas. mais si je vais là. Attends, là, dis donc. Non, c'est pas par là. Ça, c'est juste pour choper une vie, mais ça peut être intéressant aussi. Je suis tombé, je sais pas que pour putain te refaire.
l'ai eu ou pas? Je suis pas descendu assez? Attends! Bon, c'est pas grave, on l'a eu. Ok, donc là maintenant... J'ai déjà fait, donc ce serait en face alors. Putain, pourquoi t'as pas fait le double saut, fils de pute? Là, j'ai fait trop loin, trop vite, trop con. J'ai rappuyé sur le B. Pourquoi ça n'a rien fait? J'étais pourtant passé sur la petite gélule là. Oh là 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 là. J'en peux plus. C'est qui me bloque pas. Fallait pas me bloquer. Pas toi que je veux. Putain, je suis dégoûté. Je suis tombé dans cette putain de lame de merde. Je fiche plus rien à ce qui se passe. Je suis tombé dans cette putain de lave de merde. Tout va bien, je le vis bien.
Mais putain, mais remonte sa mère. Mais vas-y, tout ce qu'il y a! Mais j'arrive rien à faire, fichier. Bah oui. Je sais, ta gueule. Je cherche de l'énergie justement, mais je n'en trouve point. Voilà quand même. Eh ben c'est passé, j'y crois même pas. Je vais avoir besoin d'une bonne pause. Combat ? J'ai pas tout fait, j'ai pas buté tout le monde. Ah ouais. Bon ben voilà les loulous, c'est ici que ça va se terminer pour nous pour aujourd'hui. Je me serais bien excité dessus. J'ai besoin de me détendre un peu parce que c'est quand même intense, Doom Eternal. Allez, tchuss.